Cette année, la commune de Vallon-de-l'Erdre va lancer la première tranche de création de liaisons douces, permettant l'accès à certains sites, à son rythme et en toute sécurité. Seront concernées en première partie deux zones à Saint-Marlajaille et deux à Maumusson. La commune travaille sur la création d'un chemin vallonnais. Ce circuit de randonnée unique d'environ 100 km promet de vous offrir de belles balades à pied, à vélo et même à cheval sur tout le territoire. Les travaux débutés l'année dernière sur la rue d'Anceny s'achèveront prochainement. Ils permettront de diminuer la vitesse des véhicules, de réduire les nuisances sonores pour les riverains et d'assurer la sécurité des cyclistes et des piétons. L'embellissement des espaces verts se fera par la suite. Si les constructions des maisons sur les lotissements de Frénier et de Saint-Sulpice-des-Landes sont bien avancées, les voiries définitives dans ces lotissements pourront être réalisées. Les terrains proposés dans les lotissements étant quasiment tous vendus, l'offre va s'accroître par de nouveaux projets proposés par des porteurs de projets. La commune échange avec des promoteurs en vue d'acquisition foncière. Désormais, les usagers peuvent déposer leur demande de permis de construire en ligne dans une démarche simplifiée et sans frais. La commune est en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. Les agents du service urbanisme et les élus restent à votre disposition pour tout renseignement. Les élus et les services communaux vont se mobiliser sur le travail de numérotation des lieux-dits. Ce travail, nécessaire au déploiement de la fibre, permettra de pallier au problème des homonymies et de faciliter l'accès aux secours, aux services postaux et de livraison. Une procédure de modification du PLU de la commune déléguée de Maumusson est engagée afin de permettre le développement de deux entreprises. Dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain, auquel la commune adhère, les élus réfléchissent et étudient les propositions de revalorisation des centres-bourgs avec les différents acteurs impliqués. Concernant le devenir de l'ex-hôtel du commerce, un compromis de vente va être signé avec un porteur de projet. Les locaux commerciaux et des logements seront disponibles en 2024. Reprise d'entreprise, création de sociétés, les secteurs économiques et agricoles continuent de se développer. Pilotée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la fibre optique se déploiera sur le territoire communal. Des travaux d'élagage et d'installation d'armoires de distribution seront notamment nécessaires pour la préparation des supports du réseau. Afin de diminuer la consommation énergétique et d'améliorer le confort et le fonctionnement des bâtiments communaux, la commune va être accompagnée par la COMPA et le SIDELA. En parallèle, trois études de faisabilité d'installation de réseaux de chaleur vont être réalisées sur les secteurs de Saint-Marlajaille, Frénier et Vry, dont les installations sont plus anciennes. Le pôle famille attirera davantage l'attention des enfants sur le développement durable en menant des actions de sensibilisation à l'environnement qui les entoure, à une alimentation responsable et au gaspillage alimentaire. Les notions de solidarité, d'entraide et de fraternité seront développées en établissant des règles de vie et en proposant des activités de coopération, donnant ainsi l'occasion aux enfants de prendre des initiatives. Un marché pour la livraison de repas scolaires en liaison froide a été lancé à l'échelle communale afin d'adapter cette prestation aux besoins et attentes des familles vallonnaises. Les actions mises en place par le collectif Parentalité continueront cette année avec les Jeux en famille. Un café parent est prévu début février sur le thème de la charge mentale. Vous êtes parent et vous souhaitez rejoindre le collectif? N'hésitez pas à le contacter. Reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, l'événement Des petits moments en famille se déroulera au printemps. Une semaine d'animation sera mise en place pour permettre aux familles de partager du temps ensemble. Effectif au 1er janvier, les horaires d'ouverture des accueils ont été repensés. Toute une réflexion sur la qualité du service public de proximité a été engagée en 2021 afin de répondre aux besoins réels des Vallonnais. La saison culturelle se poursuit. Danse, musique, théâtre, cabaret, une programmation variée qui plaira au plus grand nombre.
Fort de son succès en 2021, les élus et les agents réfléchissent au renouvellement d'Estivalon, la saison culturelle estivale. En 2022, la commune espère accueillir les acteurs de la vie locale lors du Forum des associations le samedi 2 juillet. Forum qui avait dû être annulé en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Très bientôt, le repas des aînés sera organisé de la même façon que l'année dernière, c'est-à-dire à emporter. Il sera distribué aux plus de 70 ans le 22 janvier. Dans le but de faire vivre l'aventure des Jeux Olympiques 2024, la commune a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Ainsi, des actions en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques verront le jour à partir de 2022. Cette année, la commune continuera à mettre en place des actions afin d'améliorer la vie des Vallonnais.